Salut à tous les abonnés et les amis, pour ceux qui nous suivent, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ne vous inquiétez pas, on ne vous a pas abandonné, on n'avait pas eu encore les images et puis c'était quand même assez dur dans l'eau pour les chasseurs. Bon, donc vous aurez deux vidéos à l'affilée et ça sera pour les deux dernières semaines de septembre, ce qui s'est passé sur les chasses, sur Saint-Raphaël, les Issambres un peu et tout. Avec des belles prises et des belles apnées et tout. Je vous souhaite un bon film et à tout à l'heure. Ça commence bien pour cette première apnée avec tous ces loups qui arrivent, ce banc de loups magnifique. Il y en a un presque qui s'en parle dans la caméra. Je vous laisse profiter du spectacle et la première prise qu'il va faire Anthony. Pour faire des beaux poissons, des fois il ne s'agit pas toujours de descendre profond et dans peu d'eau il va faire un petit agachon, se caler là tranquille. Les castagnoles sont tranquilles et tout d'un coup va surgir un bara. Ça va se passer très vite, à peine descendu, il fait un petit bruit de... il appelle le poisson quoi. Et un beau dentiste se présente, un beau carreau, bravo. Là, il voulait faire un agachon en tapant la crosse sur le fusil, puis tout d'un coup, il voit une queue d'un sar là, et c'est un bécofine en train de manger. Il le flashera. Depuis la surface, il a repéré un beau loup qui s'est réfugié dans la Posidonie. Il fait une coulée dessus et une prise magnifique, un beau loup de 2 kg. Cette action, je la dédie à Laurent Gabelon qui nous suit beaucoup, qui nous met toujours des super commentaires et tout, et qui m'avait demandé de voir la vidéo. Donc voilà Laurent, tu peux la voir, elle est là la vidéo. Thank you.
sur cet agachon. Il apercevra une belle dodo là au loin. Et au-dessus, regardez, il y a un loup qui va venir s'empaler encore sur la flèche. Là, regardez bien sur cette action, il vous a montré qu'il a repéré une belle dodo dans la Posidonie. Il fait sa coulée dessus, mais malheureusement la corde de la bouée le retiendra avec un petit bruit qui fera fuir la dodo et va la courser et tenter un tir désespéré. Un bel agachon dans le mât très fort et quelques dentis se tiennent à l'écart, mais il en viendra un, mais malheureusement il ne le piquera pas. Là, c'est Brice, notre ami, qui vient régulièrement chaque année pour venir chasser un peu dans notre région et à qui on a été vraiment heureux. On s'est vu, on a fait un petit repas ensemble, on s'est régalé. Et là, donc, il est venu un peu chasser, il a fait du poisson. Là, il a tapé une petite liche amie de 3 kg. Il en avait une de 10 kg qui est passée dans le dos, je sais pas quoi. Il a fait du poisson et tant mieux. Et c'est un excellent chasseur, croyez-moi, plus à tous. Et je vous dis à très très bientôt parce que j'en ai une deuxième à vous faire assez rapidement. Allez, au revoir à tous, bye bye.